بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 26 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre dans R l'équation suivante. Cosinus x plus pi sur 4 fois sinus x plus pi sur 3 est égal à 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Réponse. On a, puis je copie mon équation trigonométrique. On a cosinus x plus pi sur 4 fois sinus x plus pi sur 3 qui est égal à 0. Ceci équivaut à le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur cosinus x plus pi sur 4 est égal à 0, ou le deuxième facteur sinus x plus pi sur 3 est égal à 0. Ceci équivaut à cosinus x plus pi sur 4 est égal pi sur 4 est égal, et vous savez que 0 est le cosinus d'un certain angle que vous connaissez déjà, c'est quoi? Oui, c'est le cosinus de pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Ou sinus x plus pi sur 3 est égal pi sur 3 qui est égal à 0. Et 0, c'est le sinus de quel angle? Oui, c'est le sinus de 0. Sinus de 0 est égal à 0. Et maintenant, on va appliquer la règle que vous connaissez déjà. Cosinus x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Donc ceci équivaut à dire que x plus pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus k de pi. Ou x plus pi sur 4 est égal à moins pi sur 2 plus k de pi. Ou, maintenant, passons au sinus x plus pi sur 3 qui est égal à sinus de 0. Bon, j'applique la règle que vous connaissez aussi sur l'égalité de deux sinus. Sinus x est égal à sinus alpha, cela veut dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Donc, c'est-à-dire que x plus pi sur 3 est égal à 0 plus k de pi, ou x plus pi sur 3 est égal à pi moins 0, c'est-à-dire pi plus k de pi. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 2 moins pi sur 4 moins pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 2 moins pi sur 4 moins pi sur 2 moins pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à 0 moins pi sur 3 ou tout simplement moins pi sur 3 plus k de pi,
ou x est égal à pi moins pi sur 3 plus k de pi. Ceci équivaut à dire que x est égal, pi sur 2 moins pi sur 4, donc c'est 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne pi sur 4, plus k de pi, où x est égal moins 2 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4, plus k de pi, où x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. Où x est égal à 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. Donc c'est 2 pi sur 3 plus k de pi. Et maintenant, je donne l'ensemble solution. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation trigonométrique, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 4 plus k de pi, puis les nombres moins 3 pi sur 4 plus k de pi, et les nombres moins pi sur 3 plus k de pi. Et finalement, les nombres qui s'écrivent sous forme de 2 pi sur 3 plus k de pi. Tel que k, bien sûr, un élément qui appartient à z. Voilà. J'ai oublié ici d'écrire k appartenant à z. Dans toutes ces lignes. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.